Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Qui veut gagner des millions? Bonjour. Et on va essayer Ne pas passer pour de ne pas des passer pour millions. des glandus. Non, parce que les questions, Et elles sont pas faciles quand même. on va jouer à deux cerveaux. On va mettre en solo et on va essayer de réfléchir à deux. Hein. Il y a Harry Ah Potter ouais. et Disney. Ouais, mais t'as vu. Ah, c'est à ça qu'ils servent les points. D'accord, il n'y avait pas ça la dernière fois Non. qu'on a joué. Ah, bon, on va jouer plus souvent. Donc, vous voyez, Gaëlle Franco-Belge, oh là. on gagne des points. Et ces points, ils servent à débloquer des trucs. D'accord, bon bah. On va tout laisser, hein. On prend qui? On garde Julie. Regarde Julie. Allez. Oui. Bon, on est sur Switch, mais ça change pas grand-chose. Le jeu il est aussi sorti sur PS4 et Xbox. Je crois qu'il a dû sortir sur PC. Ça change pas grand-chose, la console, là, pour le coup. N'avait pas que 3 des Jokers dans l'émission. Si, mais après, je crois qu'ils ont rajouté des trucs. Il y avait un Switch. C'est quoi ça le Switch? Justement. Pour switcher. Merci. Non, je crois que ça switchait pas des réponses ou des jokers ou je sais plus, enfin une connerie comme ça. Je sais plus. Ah, fallait que j'appuie, d'accord. Non! Il y avait une explication du Switch. Oui, bah tant pis. Le Joker Switch vous donne la possibilité. Ouf, rien. C'est pas grave. T'abuses. On va essayer de faire le mignon. On va pas y arriver, mais on va On essayer. va déjà essayer d'arriver Hein? au premier palier. Continue, vas-y. Peut-être un jour tu vas y arriver. Espoir. Bonjour et bienvenue à Qui veut gagner des millions? C'est la fin. Ah, c'est plus Jean-Pierre Foucault. C'est une joie de vous retrouver pour cette nouvelle partie de Qui veut gagner des millions? En morse. Voilà, un petit balai dans le cul, Ce soir, on va se donner à fond pour répondre aux questions, mais surtout, on va passer Mais il y à avait l'autre. ça la fois. Le candidat ou la candidate est désormais Oui, en c'est juste place. qu'on l'a passé. C'est parti pour. Ouais, allez. On peut passer la fin de Qui veut gagner des millions? Je pense qu'on est tous d'accord. C'est pas obligé, par contre. Si. Oh! Le lapin! La C m'inspire confiance. Allez, on prend la C. C'est finalement la question que vous redoutez le plus de ma part. Quelle audace! Et Je me cela suis mis un coup de fait pression au que moment. c'est la Est-ce que bonne j'ai cliqué au bon réponse. endroit? T'as vu le lapin? Allez, Regarde. On souffle et on passe à la suivante. on prend 100 balles. Passons donc à une toute nouvelle question. Incarné par Harrison Ford dans Star Wars. Oh. Quand même. Guitar. Guy, pas Guigui. Agbom. Au Bruno. Sur le Bruno. Ah, il est con. C'est parti pour la bonne réponse. Et donc, Ce qu'il faut surtout, c'est de pas cliquer trop vite. Ouais. Par contre, le timer en haut, bon là, c'est des questions faciles, mais il va super vite. Hein. C'est votre dernier mot? Ouais. Ce sera mon dernier mot. À un moment donné, il faut laisser le temps de Vous réfléchir quand avez même. fait Quand c'est votre des questions choix. plus difficiles. Vous avez pris des Bon, risques. j'ai pas le micro habituel aussi Et là. ces risques ont payé. C'est une bonne Vous avez pris réponse. des risques. Ah bah oui. Il fallait raison garder et ça a payé. Allez, allez, racontez pas vos vies. Nouvelle question en approche. Bonne chance à vous. Merci. Ah, vous voyez, même si vous savez pas, Enfin, ça c'est le premier palier. c'est C'est tellement facile parti. que vous trouvez quand même la réponse. Hein. Pour le coup, Pour l'instant, oui. jusqu'au premier palier, même quand tu connais pas la réponse à des questions, c'est tellement évident. Première étude de nain. Vous n'attendez que Morphologie, cela. cette nain. Je vous pose la question fatidique. Je le On dirait des réponse, questions pour bravo. les jeux à la con, envoyées à un ou deux. Suivante. 36-26, là, à 14 euros C'est le parti pour SMS, là. cette nouvelle question éliminatoire. Impôt sur le revenu est prélevé. À la source! Oh. T'inquiète pas, on sait, les impôts, À ça. la mine. Pas de problème. À la Quand racine. on me prend de l'argent, je sais où. Hein, je sais où et comment. Je dirais réponse B. Mettons-nous Je d'accord. dirais Quel la jeu réponse d'acteur. B. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot.
On va pas se plaindre, ils ont au moins fait des discussions entre les persos, parce que oui, c'est tu te sûr. rappelles dans la première version de Fort Boyard qu'on avait testé, les seules lignes de dialogue c'était. Je ne m'y attendais pas, c'est effectivement la bonne réponse. Ah oui, quelle surprise. Passons donc à une toute nouvelle question. Ouais. Le Godin. Je suis joueuse et du coup, je dis la réponse D. Je me dois de vous le demander. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Très bien. L'ordinateur a validé votre. C'est votre dernier mot? Normalement, ils le font même pas au premier panier. Vous avez pris votre temps et vous avez bien fait. Enfin, moi, c'est évident. Bon, alors, concentration. C'est flippant quand même. Hein. Cette nouvelle question ne devrait pas vous donner de fil à retordre, en théorie. Oui. Merde. Poil de carotte. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Gainsbourg, j'ai jamais fait ça m'écouter non plus. Donc, l'appel à un ami. Public, à vos boîtiers. C'est maintenant qu'il faut. Moi, j'ai fait le public. J'ai bien vu. Honnêtement, moi, j'y connais rien à Gainsbourg. L'homme à tête de chou. Ouais, mais écoute, on va choisir la réponse A. J'y crois. C'est chaud quand même là, il a B là. Gainsbourg, je connais pas non plus. Donc... Par contre, si tu passes pas, on va attendre les 8 secondes. C'est tout. Après, on connaît le personnage, mais ouais, oui, sa discographie, ce qu'il a fait. Le suspense. Non, on connaît le personnage quoi. Oui. Forcément, on l'a vu à la télé. Bien sûr, c'est la bonne réponse. Sur quoi tu brûles le billet, tout ça. C'est bon. Mais sa discographie, on va pas se mentir. Vous êtes prêts à braver les pièges de cette prochaine question? Bonne chance à vous. Ça, ça va. Ça va lui faire partie du premier palier. Non, parce que ça, c'est pas évident pour tout le monde. Hein. Oui, même partout. Il y a des gens qui connaissent absolument pas ça. J'en suis certaine. Oui, mais ça fait partie de. C'est votre dernier mot. Du quotidien de tout aussi, de tout le monde, tout le monde connaît. Ah non, il y a bien une année, il y a un mec qui savait même pas que la Lune c'était le satellite de la Terre. La bonne réponse. Tu connais pas tout. Tout le monde ne connaît pas Marvel ou tous ces trucs-là. Hein. Ça grimpe vite, on ne perd pas le rythme. Et voici une nouvelle question qui, je l'espère, ne va pas vous poser de soucis. Le crapaud. J'aurais dit le lion à cause de la crinière, mais. Ouais, moi bon aussi, mais bon. Les crapauds, c'est gros, mais je pense pas que la tête. Je sais pas si ça change grand chose. Fais l'appel à un ami. On va voir qui est-ce qu'on peut appeler. Tu crois? Choisissez l'appel à un ami. Bonne chance à vous. Ah ouais. Qui c'est qu'on appelle? Andy. Comme ça, en plus, ça vous permettra de voir un peu à quoi ça ressemble. Tous les jokers et machin. C'est qui veut gagner des millions? Et notre candidate a besoin de votre aide. C'est pour Julie. Il faut que je me concentre. Je ne veux pas la faire perdre. En effet. Mettre un petit peu de son. Ceci dit, ne vous mettez pas la pression, même si que quelques secondes. Allez Andy, on y croit, motivé, on va le faire. Enfin, surtout toi pour le coup. Il reste 13 secondes. La réponse C est la bonne, c'est certain. Donc, ouais, visiblement, on va voir. Cette phrase est mythique, mais elle peut aussi devenir tragique. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Attention, le choix est fait. Il est temps de découvrir la bonne réponse. Ça va aller. Votre
bonne réponse. Bon, on aurait dû mettre ça en fait. Hein. Il fallait raison garder. De toute façon, c'est même pas cause de la crinière, ça t'était vraiment plus grosse. Bah, peut-être. Éponyme de Dickens. Oh. Elle est dans un hospice alors. Je leur ai bien dit Oliver Twist. Dans un hospice. Oui. Mais. Il est pas abandonné. Je sais pas. Bah, j'ai un doute. Après, Dickens, je connais pas. C'est parti pour la réponse B. C'est finalement la question que Nickleby, bah, Mirage, je connais pas. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Le moment est venu. Quelle sera la bonne réponse ? Ouais, j'aurais bien fait ça dans le montage. Voilà, j'aurais une page de plus. C'est bien joué, oui, bonne réponse. Un hospice, c'est un truc pour les vieux. Le résultat est là. Là, faut adapter. Oui, on dit ils sont mis à l'hospice, oui. Mais sinon, oui, c'est un morphéina. C'est quand on mettra des couches, ça. Un hospice. Alors, oh dose, bah tiens. T'as une courrier dans ma chambre, chérie. Dis donc. Ça, ça va, je connais la réponse. Hein ? Je suis moi-même équipé, donc. Je connais la réponse. Alors, j'ai la marche de travers. Ouais. Vous avez fait votre choix. Bla bla bla. Quoi qu'il arrive, vous ne repartirez pas bredouille. Ah, deuxième palier. Il est haut le palier quand même. 24 000, non ? C'est normal. Après, c'est 48 000, non ? On passe de 1500 à 28 000. Cette nouvelle question n'attend désormais plus que vous pour être trouvé. Livrer le job. Oh là. Attends, faut que je me souvienne de mes années cathées. Mais alors, ah oui, moi ça. Oh. Zéro, une bulle. Je sais pas ce que c'est. Il nous reste quoi comme joker ? Le super moite-moite. On va faire super moite-moite. C'est l'heure du 50-50. Il ne peut rester c'est l'heure du duel. Le Léviathan. On va prendre monstre marin, ça se trouve c'est complètement ce qu'on pense. Pour la réponse B. Mais quand on tu parles de Léviathan, tu penses tout de suite à un monstre marin, à la mer et tout ça. Je le sais. Si alors, allons-y. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Très bien. Découvrons ensemble la bonne réponse. Quelle ? Ouais ! Et cela paye. Mais ça, c'est parce qu'ils ont mis le livre de job. Allez, suivante ! C'est au caté, ça ? Je crois. La partie se corse dès maintenant. Ça me parle. Avec cette oh nouvelle... Selon la Bible. Ouais, sans déconner. Selon, oh là selon là la là Bible. Là. Parce que j'ai une gueule. À connaître la Bible, sans déconner. Je sais pas ce que c'est le frat. C'est pas la Galilée. Il y a une chanson. Tous les rois magnifiques. Ouais, ouais, ouais. En Galilée. On s'en fout. C'est pas la Galilée. Le pays de Canaan, ça me dit quelque chose, ça. Je sais que j'ai dû l'entendre parler ou j'ai dû le lire quelque part, mais te dire ce que c'est, là, on peut abandonner. En utilisant le switch, vous décidez de faire preuve de sagesse. Cela force le respect. C'était le pays de Canaan. Ah ouais, c'est dire qu'on passe la et question. Voici une nouvelle question. On change la question. J'espère ne va pas vous poser de soucis. Ouais. J'aurais préféré le pays de Canaan. Le glycogène. Allez, réponse D. En route vers la victoire. Il fallait faire un choix et vous l'avez fait. Je préférais la question sur la Bible finalement. C'est mon dernier mot. Très bien. L'ordinateur a validé votre réponse. Je sais même pas ce que c'est le glycogène. Pour vous, ah merde. Tout s'arrête bon. Ici, car il sert à quoi le pompier ?
Bah, c'est ça, quand t'es diabétique. C'est terminé ? Oh non. Tu déconnes. Vous avez joué avec le feu. Et vous vous êtes... Pourquoi t'as mis les yeux bah, parce que je me suis dit ça. Glycogène. Bah, je me suis dit ça ira ensemble. Ça se trouve, c'est un. ça se trouve, c'est un lien, c'est un peu le même genre de truc. Non. Il y avait une partie enfant. Bon, bah. 24 000. Bah, voilà. Oui, en vrai, je les aurais pris. Ils ont mis des choses dans la boutique, du coup. Ah bah ouais, c'est tous les trucs. On peut débloquer. Ah bah on peut en débloquer, là. Je peux faire... Non. Bah si. Le BD franco-belge, je crois que c'était 500. Parce que sinon, c'était... 4000. Mais à la vitesse à laquelle on va... Ouais. Oh, mais tu connais quelque chose à ça, toi? Il y a Tintin. Astérix. Astérix. Je sais pas si Gaston en fait partie. Bon. Après, les autres, je les connais pas spécialement beaucoup. On en fait une. Mais enfant. Pourquoi? Parce que. Pourquoi enfant? Parce que les questions, elles sont pas si faciles que ça. Et alors? Bah, c'est bien. Parce que c'est enfin, un peu plus facile, mais quand même. Je suis pas allée au-delà de 42 000 pour enfant, donc. Bon, bah on va faire une deuxième. Blablabla. Ouais, bravo. Voici une nouvelle question. C'est parti pour la dans une maison, hein, il y en a certains. Et c'est le moment de... Oui, mon dernier mot. Une bonne réponse. Mais des fois, les questions pour enfants, des fois, en fait, tu galères parce que c'est des trucs que t'as vus à l'école et que ça fait 25 piges que t'as quitté ce niveau. Parce que c'est les premières années d'école, certains trucs. On avait eu quoi comme question? Qu'est-ce qui définit le mot, l'adverbe? Oui, l'adverbe, le machin, le truc. Ça veut dire que c'est... Déjà, à l'époque où je l'ai appris, bon, voilà... Voilà. L'épaule. Hein, déjà. Ben alors maintenant, c'est votre dernier. C'est tombé. C'est mon dernier mot. Bonne réponse. Toute nouvelle question. Peut-être on va réussir à avoir le million avec la question pour enfants. Peut-être. Peut-être. Tu vas débloquer des points. C'est dur. Réponse B. J'en suis certaine. Allez. C'est parti. C'est parti pour la bonne réponse. Et donc, la réponse C. Ça, c'est bien pour faire réviser les chiffres. Hein. Je ne m'y attendais pas, mais... Faut pas se tromper. Non. Ah, c'est même quand tu connais la réponse. Je crois quand quand c'est écrit comme ça, il faut pas te bourrer avec le... Je pense qu'on... De... Je connais la réponse, et c'est la A. Je vais grimper doucement mais sûrement. C'est une bien jolie course pour nous proposer là. Bien joué. Bah, doucement mais sûrement, il blablate beaucoup, donc c'est pour ça le doucement. Bonne chance à vous pour cette nouvelle question. Le futsal. Oui. Comment ils l'écrivent, voilà, c'est ah, ça. Ah oui. Bah oui. Le football fermé. La réponse C. C'est le football fermé. Vous n'attendez que cela, que je vous pose la question fatidique. Je le sais. En voilà une bonne réponse. Bravo. Bah tu vois ça, il y en a plein qui ont eu faux. Des adultes. Oui, des adultes sûrement. Et voici une nouvelle question qui... Allez. Les Pérou gagnent. Les Pérouvistes. C'est comme les Pérouviens. Cette phrase est mythique. Pérouviens. Mais elle peut aussi. Pérouviste. Où vous partez. Et lui existe. Un grand regret. Où vous restez. Pérouviste. Prends ton temps. 5 litres, je crois. Allez, réponse D. En route vers la victoire. Et c'est le moment de se remettre en question, car je vous le demande.
Oui, seulement dernier mot, Jean-Pierre. Et cela paye, puisque c'est la bonne réponse. Allez, suivante. Motivé. T'as jamais mis de le cul, Jean-Pierre. Tu veux du fric. Oh, sur le drapeau de Mexique. C'est parti pour la réponse B. Ah oui. Mettons-nous d'accord. Par rapport aux autres, oui. C'est votre dernier mot ? Ce sera mon dernier. Par contre, tu me demandes de quelle couleur est le drapeau de Mexique, sans faire de proposition. J'en sais rien. Non mais si, c'est du vert. Après, c'est des bombes. Les questions se suivent et ne se ressemblent pas. La preuve, avec cette nouvelle question. Oh là, bon, alors là, par contre. Oh, merde. Déjà, je vois K-pop, moi déjà. Blackpink. Déjà, je sais que Blackpink, ça existe. Déjà, je suis pas bien, là. Blackpink, je sais que ça existe. Mais alors, les autres. Vous voyez, c'est pour ça, les questions enfants, en fait, c'est des questions ados. Demande au public. Et moi, ça, honnêtement. Je sais pas qui sont ces gens. Public, ne votez que si vous connaissez la bonne réponse. Blackpink, PO. Bon bah ça doit être ça. Hein. Ouais. Je dirais. Je savais pas que ça existait, moi. C'est finalement la question que vous redoutez le plus de ma part. C'est votre dernier mot ? Oui. Ouais, JP. Bravo. C'est mon dernier mot, JP. Tentons la réponse D. Et vous l'avez fait. C'est votre dernier mot ? Tiger Woods, c'est le nom d'un buzzer fou. Vous avez fait. Pardon. Et c'est la bonne réponse. Non mais vraiment, il a pris des médicaments et tout. Hein. C'était considéré comme une maladie, ces trucs-là. Pas de bol. Il y a eu des problèmes avec l'alcool et tout après. À l'allure où vous allez, vous n'allez faire qu'une. Depuis, c'est repris, mais. Je vais voir ça, moi je connais pas. Si, quand je vais voir, je vais savoir. Je connais. C'est Firot. Après, je connais, je suis pas un fan de Final Fantasy, mais même cette. J'y jouais quand j'étais gamin. Cette phrase est mythique. Vous m'avez semblé hésiter. Oui, c'est pas pour les enfants, vraiment. Mais sûr, il fait. Langouste. Étant donné que c'est pas des chiens, des chats ou des oiseaux, ouais. Par élimination. Bah, c'est des fils de chiens. C'est la bonne réponse. Ce sont des poules, hein ? Allez, suivante ! Ouais, dis donc, 150 000. Je crois qu'on n'a jamais atteint cette somme-là. Ah non. Passons désormais à la prochaine question, si vous le voulez bien. Ah. Ça met tellement en A. En M. Comment c'est écrit sur les petits machins là ? J'en sais rien, justement. Trucs de vitamines et tout là. Magnésium, manganèse. C'est pas MG ? Ça peut être manganèse aussi. MG. Souviens-toi de Sheldon qui propose le. La voiture. Ouais. Et que des M. Mais. je me doutais qu'il allait faire un truc comme ça, mais. Ah, bah là on est. Je tente ou pas ? On est couillons là. Attends, on a d'autres jokers. Ah, mais s'il faut aller au million. Bah il reste que des questions. En appelant une de vos connaissances, allez. Vous garantissez. On va appeler. Ah, les trois, tu vas voir. Mais ça, c'est des trucs qu'on a appris il y a longtemps. Je me rappelle plus, mais je crois que c'est. Elle est étudiante. Un collègue. Eva, je suis bloquée sur une question horrible. J'ai besoin de ton aide. On va faire de notre mieux. Allez, dis-moi tout. Mais seulement si tu vas le plus loin possible. Collègue, elle a une voix de vieille. Je suis là pour ça. Ouais, elle est peut-être proche de la retraite. La réponse B. J'en sais rien, en fait. Ah. Merci Eva. Merci pour cette intervention pleine autant de. Autant dire que tu sais pas. Je vais faire l'inverse. Et puis si c'est pas ça, c'est pas ça, tant pis. Vous n'attendez que cela. Bonne réponse. Ouh. Tu vois. Okay. Moi pour moi c'était ça, mais.
J'avais un doute. Et comme l'autre, elle a dit Emma, j'ai dit non, c'est sûr. Dernière question. Ah, il reste c'est cul. Quelqu'un qui te dit c'est ça, mais j'en sais rien. En général, c'est pas bon. Réussirez-vous à répondre aussi bien à cette nouvelle question? Ah, encore le switch? Tu crois qu'on peut passer à la dernière question? J'en ai aucune idée. J'y connais rien en tennis. Il n'y a pas de timer. Tu connais la réponse, toi? Mais je... J'aime bien le tennis, mais... De là à te dire quand est-ce qu'ils ont créé Roland Garros... Le 3 avril. J'ai quand même un doute, là. Encore un, hein. On va switcher pour un truc t'aurais pire. T'aurais dit quoi, toi? Moi, j'aurais dit après la guerre, quand même. Ouais. 45 ou 55? J'aurais dit 45. Switchons la question dès maintenant, en espérant que la nouvelle vous portera chance. Oh, oui, tu vois. 25. Ah, c'est si vieux que ça. T'as presque 100 ans. Bon. Et voici une nouvelle question qui, je l'espère, ne va pas vous... Je sais pas si Roland Garros c'était pas mieux finalement. Mais pourquoi? Mais pourquoi ça? Attends. Ça c'est typiquement le genre de truc que moi je... Tu crois que nous on peut faire un appel à un ami? Écoute... J'appelle mon frère, dis-moi je suis devant, qui veut gagner des millions, mais le jeu... Pourquoi tu vas faire ça à l'école? Qu'est-ce qui t'accorde toujours avec un... Mais en plus j'ai les phrases, hein. Le machin s'accorde toujours avec... Mais il faudrait te rappeler le quoi? J'essaie de me souvenir. Moi je sais. Un nom. Un nom c'est une voiture, une table, un chat. Le verbe? Bah non. Le déterminant c'est le l'aller. Ouais. Moi je me suis arrêté là. Bah le déterminant alors. Après... Réponse D. En route vers la victoire. Un sujet. Oh, je sais plus. C'est une question bête en plus. Et ce sera votre dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot, c'est allez. C'est mon dernier mot. Le choix est fait. Vous avez gagné. On a gagné le million. C'est le million. Le million avec une question enfant. On n'est pas si nul. On a douté sur... un exercice du conseiller, mais... On est pas si nul quand même. Ah, mais moi, quand il va commencer à apprendre ça à l'école, il est dans la merde. C'est moi qui vais pouvoir l'aider. On va voir mamie, chérie. Je vais l'aider sur plein de choses, mais sur ça... Appelle tonton, il va te dire, lui. Eh, bien. Ils sont rats, quand même, hein. Oui. Bon, il reste encore 4 parties à gagner pour débloquer Star Wars et Harry Potter. Ouais, ouais. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Bon bah voilà. Promis, on va faire des efforts. Pour avoir le million avec les questions adultes la prochaine fois. Ouais. Allez, salut.